du jour tel que lu par le premier secrétaire est mise en discussion, mais je rappelle que cette séance, c'est une séance, je dirais, que je pourrais qualifier de sacramentelle. Et c'est défini par la Constitution de la République. L'ordre du jour est donc adopté. Prochain point à l'ordre du jour. Deuxième secrétaire. Prochain point à l'ordre du jour. Lecture des articles 98, 98.1, 98.3, alinéa 10 de la Constitution en vigueur. Secrétaire Benjamin. Secrétaire Benjamin, veuillez nous donner lecture des articles 98, 98.1 et 98.3, alinéa 10 de la Constitution en vigueur. Article 98. La réunion en une seule assemblée des deux branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée nationale. Vous avez terminé? Non. Article 98.1. L'Assemblée nationale s'est réunie pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. 98.3. Les attributions de l'Assemblée nationale sont... Alinéa 98.3, alinéa 10. Merci. Merci. Je demande, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je demande au premier secrétaire de bien vouloir nous donner lecture de l'article 98.3 de la Constitution traitant des attributions de l'Assemblée nationale. Les attributions de l'Assemblée nationale sont de recevoir le serment constitutionnel du président de la République, de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué, d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales, d'amender la Constitution selon la procédure qui est indiquée, de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution, de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure. 7. De concourir à la formation du Conseil électoral permanent conformément à l'article 190 de la Constitution. 8. De concourir à la nomination d'un président provisoire conformément à l'article 147 de la Constitution. 9. De concourir à la formation du Conseil constitutionnel conformément à l'article 188.1 de la Constitution. 10. De recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement. Merci. J'ai choisi personnellement, en tant que président du Sénat, de donner lecture
de permettre au premier secrétaire de vous donner lecture de l'article 98.3 de la Constitution qui fixe les attributions de l'Assemblée nationale. L'heure où nous avons l'Assemblée nationale et que vous mettez ou proposez en ordre du jour, c'est juste en question de formalité. Pour que l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des députés, bien au courant de ça, qui dans l'Assemblée nationale, ça. Si par exemple, nous avons choisi pour mettre le conseil électoral permanent là-dedans, nous avons mis le conseil constitutionnel là-dedans, laisse ça, l'Assemblée, tu dois juger de l'opportunité ou bien de l'inopportunité pour lui dire ce n'est pas le moment pour débattre de questions conseil constitutionnel ou bien conseil électoral permanent. Assemblée nationale, ça, son Assemblée nationale qui, côté constitution déjà fixé, les dit un, pour ouvrir session parlementaire là, et deux, pour permettre à Premier ministre là, pour lui faire bilan activité pour période là. En y est encore pas supposé dans l'ordre du jour ça pour l'Assemblée nationale là et par conséquent il n'est pas sujet à débat. Si un député ou bien un sénateur t'a demandé pour que l'introduit au quelconque point nouveau ou bien retirer un bagaille dans l'ordre du jour là, l'Assemblée nationale n'a pas gagné lieu d'être dit parce qu'elle a violé la constitution même. Sénateur Dumont, vous excusez-moi, mais l'Assemblée nationale, ça, autant que moi-même, moi président Sénat, je ne vais pas mettre dans la situation ou bien dans la pénible obligation pour violer la constitution. Si je gagne un point nouveau, que m'introduit autre que bilan président, bilan premier ministre, bilan activité. Ou bien ouvert session, nous devons faire débat sur lui. Ok? Constitution en clair, il dit un, ouvrir session, et deux, recevoir bilan chef gouvernement. Après, je n'ai pas rien encore en plus pour me faire. Si vous avez un point nouveau et que les sénateurs ou bien les députés pensent que vous avez une assemblée nationale spéciale côté le bras mettre question conseil électoral, question conseil constitutionnel ou bien ratifier un accord, traité ou convention internationale, ordre du jour là, sujet à débat. Député Wheeler, prochain point à l'ordre du jour. Point 3 de l'ordre du jour. Proclamation d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018 par les présidents de l'Assemblée nationale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. C'est hors du jour avec mal faculté. C'est mal en discussion sur hors du jour. Je demande donc au
à la sénatrice Dieudonne Numa et au député Benoît Laguerre pour y déplacer et aller dans le salon diplomatique là, pour y être capable d'introduire dans la salle séance là le Premier ministre, les membres du gouvernement fidèles à la Constitution, puis on vient présenter par devant l'Assemblée des sénateurs le bilan des activités de ce gouvernement pour la période. Nous allons observer une...